Bonjour à tous les astrophiles et les astrologues amateurs ou professionnels. Je reviens pour mon petit laïus sur la nouvelle lune. Avant de préciser cette nouvelle lune, je vais quand même faire un petit résumé des chapitres des épisodes précédents, comme on dit dans les séries. Il y a eu quand même des prévisions réussies là récemment sur. C'était contre mon avis et ma préférence personnelle. Mais disons que j'avais quand même annoncé qu'il y avait beaucoup plus de chances que ce soit Trump qui gagne. Pour une deuxième fois qu'il est devenu président des États-Unis, avec l'aide de Poutine aussi. Alors une aide de Poutine un peu inférieure sûrement à celle qu'il y avait eu en 2016. Et voilà, et c'était contre l'avis d'un certain Alan Lichtman, qui est appelé le prophète des présidentielles américaines, puisqu'il a eu 9 réussites sur 10 et qui pratique pas l'astrologie, mais qui pratique une analyse politique logique et qui donc, en vertu de cette analyse, prédisait que c'était Kamala Harris qui serait donc forcément celle qui vaincrait. Voilà. Alors qu'en astro, on voyait que qu'il y avait d'énormes risques, soit exactement l'inverse. Et c'est ce qui s'est passé. Alors je rappelle pour synthéticien avec qui me met des petites notes en bas de page, je rappelle que d'une part, je ne peux pas trop aller sur Internet, donc je ne peux pas répondre des fois. J'en suis vraiment désolé. Hein. Mais je réponds donc à l'intérieur de l'enregistrement que la position de l'astrologie, c'est pas une position. Bon, je suis d'accord avec tout ce qu'il dit, sauf qu'il a l'air de croire que mes positions sont. C'est pas le seul d'ailleurs, il y en a d'autres. Il y avait Gus aussi qui avait tendance à croire ça, que mes positions sont celles qui sont dues aux médias mainstream ou qui sont plutôt pro-OTAN, puisque je critique Poutine. Or, je tiens à dire que ce n'est pas du tout ma position politique que je mets en avant, mais la science astrologique qui me permet de dire ça. Donc, c'est pas du tout. Je ne mets pas mon opinion en avant, j'essaie de mettre ce que les calculs astrologiques permettent de dire. Et de ce point de vue-là, comme vous l'avez vu avec les 4 cavaliers de l'Apocalypse, il n'y a pas du tout l'opposition seulement OTAN et contre Poutine. Ça, c'est une vieille illusion de la guerre froide qui fait que des gens très, très renseignés politiquement, peut-être même plus que moi, comme les deux intervenants dans les commentaires que je viens de signer, que je viens de signaler, ils sont peut-être plus doués que moi en politologie, mais sûrement moins doués que moi en astrologie, parce qu'ils se rendent pas compte que ce que je dis n'est pas du tout l'opinion. Et donc les hackers russes sont bien intervenus, encore une fois, dans cette élection. C'est ce que dit l'astro. Alors peut-être qu'on le découvrira seulement dans 2 ans, mais l'astro a toujours un temps d'avance. Et c'est pas, je ne le dis pas selon l'avis de quelle radio, de quelle télé ou de quoi que ce soit. Non, c'est l'astro qui le dit. Voilà. Bon, on le lit dans le thème. Et j'avais même mis en affichage sur. Pendant cette vidéo, j'avais mis le dessin du thème en affichage. Pour ceux qui peuvent grossir ça, et j'avais écrit à la main dessus ce que on peut voir l'endroit du thème qui permet de dire ça. Enfin bref. Voilà, donc ça c'était une première réussite de prévision. L'autre réussite, c'est par rapport aux changements brusques qui ont eu lieu sur le front ukrainien, quoi. Et qui ont eu lieu aussi dans les rapports existants d'Ukraine et Poutine, avec Poutine qui lance carrément des missiles intercontinentaux pour attaquer carrément Kiev. Donc c'est un gros changement dans la guerre. Alors certains se disent, oh oui, ça continue à taper. Non, non, c'est pas du tout pareil, parce que jusqu'à présent, il essayait de taper pour obtenir un certain avantage sur le terrain lié à le passage vers la mer, qu'il voulait se réserver pour lui tout seul, donc couper l'Ukraine de la mer et récupérer le territoire avec une majorité ou une forte population russe, de même technique qu'Hitler avec les Sudètes ou avec la Sarre et tout ça. Et c'est la même technique que Hitler, il passe à la phase suivante, c'est-à-dire que vraiment essayer de conquérir entièrement un pays qu'il considère lui appartenir. Donc voilà, donc ça encore une fois, les prévisions que j'avais fait il y a très longtemps, depuis 2010, donc ça fait très longtemps, hein, ça fait déjà 14 ans, se révèlent exactes, et Poutine est bien le cinquième cavalier invisible, c'est-à-dire le grand chef de la mafia mondiale, on pourrait dire, c'est-à-dire... Il rassemble tous les pires défauts, les pires négativités, les pires attraits du pouvoir négatif et exercice du pouvoir négatif surtout qu'on puisse trouver. Et c'est pas du tout parce que je suis anti-russe ou que ce soit que je dis ça, c'est parce que l'astro permet de le dire encore une fois. Donc voilà.
Alors évidemment, on se rend toujours compte, 10 ans après, que l'astro avait raison, mais comme c'est enregistré maintenant, il est certain que dans 10 ans, tous les journaux, je rappelle que dans le cas des prévisions réussies, j'avais prévu la chute du mur. Enfin, évidemment, j'avais pas appelé ça la chute du mur. J'avais appelé ça guerre civile sans presque de violence qui va faire tomber l'URSS. Alors qu'aucun politologue ne l'avait dit. De même, j'avais appelé ça mai 68 arabe. Ils ont appelé ça les printemps arabes. Bon, ben voilà, c'est une question. Après, on connaît l'événement aux expressions qu'ont utilisées les journalistes. Mais j'avais même dit le danger du 11 septembre 2001. Alors, je n'avais pas dit 11 septembre, parce que j'avais vu la date en gros, mais qu'il y avait un danger très grave pour l'avenir du monde à ce moment-là, qui correspondait à une bascule dans la manière de considérer les rapports au monde. Et voilà, et de même, enfin, la liste des prévisions réussies est assez longue, je ne vais pas vous infliger ça, mais moi, l'astrologie permet vraiment de dire des choses que même les politologues ne peuvent pas dire. Malheureusement, je ne suis pas assez formé au niveau politologie pour être des fois suffisamment précis, mais enfin, c'est déjà beaucoup plus précis que ce que disent les économistes ou ce que disent les politologues. Donc, ça fait déjà la preuve de cet intérêt. J'avais parlé aussi en prévision réussie d'un climat guerrier. Bon, bah là, c'est indubitable que vu ce qui se passe au Liban, en Israël, et encore dans la bande de Gaza, qu'on oublie parce que tout le monde est braqué sur la destruction du Liban, qui est quand même un pays indépendant, je le rappelle, et qui est Beyrouth est bombardé directement. Donc, imagine la capitale d'un pays bombardé par un autre pays. Là aussi, c'est des agressions totalement dangereuses pour la paix mondiale et qui montrent que, comme je l'avais dit, que le fascisme est en train de monter. Puisque ce goût de la guerre, ce goût d'imposer son avis et sa position politique uniquement par des massacres et de la guerre, c'est ce qu'on appelle le fascisme. Hein. On a déjà essayé, contrairement à ce qu'on dit, tous ceux qui ont voté pour Marine Le Pen, on a déjà essayé. Et ça a donné les deux guerres mondiales, parce que finalement, même si le fascisme ne naît apparemment que dans les années 20, il est le ressuscité des positions extrêmement nationalistes qu'il y avait dès le début du XXe siècle, sous l'effet de Pluton. Voilà, donc c'était un rappel des épisodes précédents qui est peut-être nécessaire, parce que voilà, quand je vois certaines remarques, je me dis, mais vous pensez comme ça pour l'instant parce que vous êtes pris dans le réseau médiatique que vous voyez par internet, par certains penseurs que vous préférez, sur lesquels vous cliquez, enfin, pour aller voir ce qu'ils en pensent, etc. Et je fais ça aussi, hein, l'astrologie est un énorme gain en plus, parce qu'elle permet justement de dire ce qui n'est pas prévu par les courbes existantes, quoi. Les inversions de courbes, par exemple, j'avais prévu aussi la crise pétrolière, quoi, le fait qu'on arriverait à une espèce de pic, que le pétrole coûterait de plus en plus cher et qu'il y aurait une espèce de crise, de refus des énergies fossiles qui arriveraient. Bon, ça, je l'ai prévu sur une grande phase de 10-15 ans. Donc, et c'est effectivement ce qui a eu lieu aussi. Alors que les prévisionnistes ne le voyaient pas spécialement, ou ils le voyaient beaucoup plus tard. Enfin bref. Et or, cette augmentation des prix du pétrole est en train d'avoir lieu sous nos yeux, là maintenant, très très nettement. Voilà, dû à l'opposition de Proserpine à Pluton pendant pas mal de temps, pendant que Pluton est en Capricorne, il vient de rentrer en Verseau, donc ça va être terminé. Il va falloir rentrer dans une nouvelle phase. Voilà. Alors, on va un peu regarder cette nouvelle lune. Elle a lieu. Alors, pour resituer globalement, il y a aussi le. J'avais dit un petit peu que les États-Unis. Bon, puisque je ne vais pas pouvoir faire les prévisions sur la fin de 2024, j'essaierai de faire les prévisions pour 2025. Ça sera suffisant. Mais on peut déjà voir que du point de vue de cette élection, du point de vue de la déclaration d'indépendance des États-Unis, si on admet qu'elle a un sens sagittaire, ce que disent beaucoup d'astrologues américains eux-mêmes, et puis le signe sagittaire correspond très bien à l'esprit américain,
On peut remarquer, si on monte le thème de direction secondaire, en faisant progresser les angles, quoi, donc aussi en direction secondaire du 4 juillet 1776, hein, voilà, vers à 17h11, quoi, c'était 22h11 TU, eh bien, on a Orcus qui arrive à l'ascendant, Uranus qui arrive au milieu du ciel, les deux en carré en signe mutable. On voyait déjà que c'était une énorme crise de conscience, de la conscience américaine, assez négative, qui est en train d'avoir lieu, et qui montre que c'est de nouveaux États-Unis qui sont en train de naître, sont plus les mêmes. La nouvelle lune a eu lieu, la nouvelle lune des États-Unis a eu lieu donc en poisson. Et donc créant peut-être une nouvelle phase de 30 ans, plus religieuse, plus avec des mystiques, des protestants, des fondamentalistes protestants, des pentecôtistes, enfin tout le bazar des baptistes, enfin, tous les espèces de petites sectes protestantes dont Trump a abondamment abusé en faisant croire qu'il était de leur côté. Et donc ça signe une régression, si on pourrait dire, des États-Unis, parce que d'un côté, la religion dans un grand pays peut avoir quelquefois du bon, dans le sens qu'elle peut l'unifier, mais là, c'est une unification autour de valeurs extrêmement dangereuses, un mélange entre les positions de mouvements sionistes d'extrême droite. Je ne confonds pas le sionisme avec le sionisme d'extrême droite, et même si le sionisme actuel est en général d'extrême droite, même en France d'ailleurs. Ce qui est un énorme problème. Il y a eu un sionisme de gauche. Il y a actuellement un film qui s'appelle No Other Land, qu'il faut peut-être aller voir, qui est un documentaire presque. Enfin, c'est un film en fait, mais qui ressemble à un documentaire, parce qu'il a été filmé à caméra au point pour montrer la démolition des habitats et les expulsions des Palestiniens, des Bédouins, quoi, en Cisjordanie, par l'armée israélienne et les colons d'un côté. C'est fait par un collectif israélo-palestinien antifasciste. Donc, quand on dit collectif israélo-palestinien antifasciste, ça ne veut pas dire antisémite. Hein. Petit clin d'œil pour ceux qui confondent les deux. Voilà. Je vais en insister, mais il faut vraiment insister. Quand vraiment le fascisme se fait passer pour la morale ou de la justice, ou même réparer l'affaire Dreyfus, comme on entend l'autre... Le dire là, le Netanyahou, ça devient assez effrayant, quoi. C'est le propre même des gens qui ont une agressivité guerrière ou un fond fasciste, de se faire passer pour des victimes pour se donner le droit d'agresser. Ça, il faut faire très attention à ça, c'est une tendance humaine très 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 courante, y compris dans les relations interpersonnelles. Voilà, donc je tenais à signaler ça pour rapidement pour les États-Unis, et qui indique que bon ben voilà, dans 2 mois à peu près, Trump prendra les fonctions, et ça sera le moment où la lune progressée passera rentrera en bélier, et donc l'ambiance pseudo-religieuse, il faut sauver, le Christ nous demande de sauver Israël, enfin Armageddon, tout le bazar, enfin des lectures complètement dévoyées des évangiles, tout ça, comme il y a des lectures dévoyées du Coran, comme il y a des lectures dévoyées de la Bible chez les juifs, etc. Actuellement, la plupart des groupes religieux, des grandes églises, des grandes religions sont en train d'être dévoyées, puisque vraiment l'art des poissons touche à sa fin, et il y a une notion de passer à une spiritualité plus collective, plus intégrée, plus scientifique aussi, qui s'appuie plus sur les vraies connaissances, voilà, et donc une mystique, et c'est pour ça que le bouddhisme en tant que science un petit peu de mystique, qui nous paraît complètement contradictoire que ces deux mots à coller pour des Français, mais oui, il peut y avoir une science mystique dans le sens que si vous analysez par exemple les 4 nobles vérités du Bouddha, c'est le premier enseignement qu'il a donné, vous trouvez un résumé de toutes les techniques psychothérapeutiques existantes, alors qu'il est Freud n'était pas, ni Jung n'était encore passé par là. Donc c'est très intéressant de voir qu'effectivement il y a des connaissances qui sont des fondements pragmatiques
pour maîtriser le mental et puis la conscience elle-même, pour apprendre à se laisser envahir par la conscience supérieure. Qu'on ne peut pas maîtriser justement, mais qu'on peut plutôt accueillir une fois qu'on a maîtrisé les erreurs du mental, quoi. C'est-à-dire l'illusion que le mental nous crée, les illusions que nous crée le mental à l'intérieur de nous en se décrétant seul maître à bord, quoi. C'est l'usurpateur clé qui est d'ailleurs en pouvoir dans tout l'Occident, dans toutes les têtes, puisqu'on a été éduqués tous comme ça. L'usurpateur, c'est le mental égotique, quoi, qui nous fait croire que nos pensées nous appartiennent et que nous pouvons nous déterminer, faire des libres choix à partir de ces pensées, alors que ces pensées sont entièrement conditionnées par des conditionnements et des systèmes de valeurs qui nous ont été inculqués sans quelquefois on le veuille. D'où l'importance de Saint Sigmund et de Saint Carl Gustave, les deux envoyés de Dieu, je parle de Freud et de Jung évidemment, des deux envoyés qui ont permis en créant la psychologie, on pourrait rajouter Saint Wilhelm Reich et Saint Assagioli, par exemple, qui sont, et Carl Rogers, tout ça, il y a vraiment une espèce de montée de la connaissance de la psyché qui a permis de dévoiler en fait qu'on était en train de faire fausse route avec une morale de contrainte qui n'améliorait en rien nos relations humaines, ni sexuelles, ni politiques, ni quoi que ce soit. Donc ça, c'est une... Alors évidemment, ça a créé une guerre contre les religions instituées, mais je rappelle que les religions instituées n'apportent pas du tout la paix qui est à chaque fois prêchée par les fondateurs des religions. Au contraire, elles créent des conflits dogmatiques, quelquefois des inquisitions, ou même des guerres de religion, comme ce qui est en train d'arriver, ce qui était prévu dans les quatre cavaliers d'Apocalypse, tel que je les ai montrés dans l'une de mes vidéos. Et donc cette guerre de religion qui est en train d'arriver est clairement marquée dans le mandala si vous y reportez, et donc ça ne serait pas possible s'il y avait eu une attention portée à une mystique authentique plus individualisée, plus individualiste. Voilà pour classer cette triste évolution des États-Unis qui sont dans une phase assez inquiétante, et qui peut amener, avec la conjonction Mars Lune Noire qui arrive sur la conjonction Saturne Junon en Balance des États-Unis, amener des crises ou guerrières ou économiques, puisque c'est la maison 2, assez profonde. Même si ils vont bénéficier pendant un certain temps d'une espèce de foi renouvelée, avec cet Uranus complètement excité, et la conjonction Jupiter-Posidon, une espèce de foi renouvelée dans les fondements qui vont s'avérer ensuite être complètement trahis par Trump. Qui n'est certainement pas l'envoyé du Christ, mais plutôt, comme on le voit dans les quatre cavaliers d'Apocalypse, l'un des quatre manipulations de ce qu'on peut appeler l'antéchrist, c'est-à-dire de l'esprit qui vient avant l'esprit christique qui se déploie en ce moment dans beaucoup de gens, de plus en plus. L'esprit christique, c'est-à-dire que la vision que ce système est profondément négatif, presque diabolique, et qu'il peut être transformé par en fait les processus de conscience et d'amour clairement développés, volontairement développés, intensément développés dans chacun des individus, par la méditation entre autres, mais par les groupes, par les ONG, par toutes les interventions que peut faire la société civile et la démocratie citoyenne pour recréer du lien communautaire, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, on pourrait dire que le capitalisme, qui va être boosté de plus en plus, hein. Je suis un peu, je ne peux pas être oiseau de mauvais augure, parce que c'est pas ma volonté, c'est, je souhaiterais soit autrement, mais disons que le fait que Pluton soit maintenant rentré en Verseau et qui commence à faire
qui va faire de plus en plus un sextile à Bacchus en bélier, fait que bon, bah, le capitalisme va montrer de plus en plus sa vertu totalement destructrice et comment dire, d'abus total des liens sociaux, quoi. C'est un facteur, le capitalisme, c'est un facteur d'atomisation. Les individus se retrouvent complètement isolés les uns des autres. On préfère le repli sur soi des individus parce que ça leur permet de consommer. Si chaque individu va acheter un frigidaire, une machine à laver, tout ça, évidemment, c'est d'autant mieux pour la consommation, pour le capitalisme. Mais il n'y a plus de rapport humain, il n'y a plus d'échange avec les voisins. Alors que même en URSS, d'ailleurs, il y avait, même si le socialisme n'était absolument pas appliqué, c'était une dictature fasciste avec apparence de socialisme, mais il y avait quand même, dans certains quartiers pauvres, des systèmes communautaires, quoi, avec des machines lavées ou des frigidaires mis en commun, voilà, avec dans une société complètement dictatoriale et autoritaire. Évidemment, ça donnait pas forcément de bons résultats. On peut pas obliger les gens à partager si c'est pas fait avec le cœur, si c'est fait par des techniques. C'est l'échec du communisme est là-dedans. Dans une espèce de forcing abusif et dictatorial pour obliger les gens à ne plus être individualisés. Bref, donc tout ça, que ce soit le capitalisme ou le communisme, ce sont des collectivismes qui font que les pulsions compétitives, en particulier dans la société capitaliste, sont vachement fortes. Donc ça atomise en fait toutes les relations sociales, c'est-à-dire ça les désagrège, on pourrait dire, comme une fission nucléaire, comme si on désagrégeait le noyau de l'atome avec un rayonnement de souffrance extraordinaire. Il faut voir le film science-fiction Le Fils de l'Homme, là, d'Alfonso Cuarón, je crois, un espagnol qui est vraiment, qui est la science-fiction, mais qui correspond un petit peu à cet aspect Bacchus Pluton qui va se renforcer dans les 10 ans à venir. D'où une destruction à cause de cette compétition partout, quoi. Il y a une espèce de haine de soi et de son pays au sens là où j'habite. Simone Veil avait prévenu de ça, nous avait dit d'attention de ne pas nous mettre en danger, qu'il fallait nous enraciner, c'est-à-dire pas nous enraciner de manière nationaliste, elle était contre ça, nous enraciner dans le sens qu'il faut pouvoir faire vivre des lieux, être localisé avec des gens qui font des liens entre eux au niveau local, ce que essayent de refaire justement les éco-villages comme ça. D'ailleurs, il y a eu une émission sur Zunzunzen là-dessus, sur les éco-villages, qui n'était pas très réussi, mais le type qui parlait était intéressant, il connaissait son sujet, il a parlé en particulier de Finn Dorn, qui est très très méconnu maintenant. Je suis surpris de voir que quand j'en parle à des jeunes qui veulent faire des éco-villages et tout ça, ils connaissent pas Finn Dorn, donc ils sont, dans ce cas-là, ils sont presque sûrs et certains de se planter au bout de 2-3 ans, parce que c'est quand même, les expériences négatives ou positives qu'ont eu des gens qui sont passés avant sont extrêmement intéressantes. Donc il y a même des possibilités de guerre civile, hein, je pense aux États-Unis avec ça, parce qu'avec Saturne en poisson rétrograde, qui est plus ou moins négatif et qui est dominant là, dans ce mois-ci, bon voilà, il y a quelque chose qui, cette haine de soi, cette haine de l'autre, il y a une espèce de séduction du conflit aussi, qui fait que bon ben, ça va faire des tas de victimes, et puis en même temps le rôle de victime devient presque souhaité par certains, comme s'il y avait un besoin de victimisation de contre la société, contre, voilà, on peut trouver ça. Alors c'est un peu ce qu'on confond avec l'esprit woke. Dans l'esprit woke, ça veut dire s'éveiller, ça veut dire s'ouvrir, c'est-à-dire devenir conscient des oppressions et des manipulations que créent les grands collectifs étatiques ou économiques et tout ça, donc c'est plutôt une bonne chose. Mais dans ce qui est appelé le wokisme, par beaucoup de gens d'extrême droite d'ailleurs, ils appellent ça wokisme, enfin bon, c'est pas parce qu'ils, dans leur bouche, ça devient débile, mais parce qu'ils ne comprennent pas, ils ne comprennent pas la nécessité de s'éveiller, justement. Ce que veut dire woke, c'est s'éveiller. Mais il est vrai qu'il y a il y a certaines personnes qui exagère au point d'augmenter cette victimisation de très forte minorité par rapport à toute la société. Et ça, c'est une lutte militante ne doit pouvoir garder son pouvoir de fédération
et pas d'isoler en plus de plus en plus les gens dans un SOS victimisant. Bon, des fois les solidarités n'ont pas toujours lieu. Enfin voilà. Donc le fait de ces destructions de tous les rapports sociaux, quoi, par cette compétition obligatoire, est évidemment dangereux. Alors que la solution, c'est évidemment de retrouver une collaboration pour vivre ensemble, retrouver ce qui fait démocratie, quoi. Et là, c'est Proserpine en Cancer qui nous l'indique, et Apollon en Vierge. Et là, qui sont en sextile presque parfait là, en ce moment. Et Apollon est très très dominant en thème de nouvelle lune à Paris, là, donc on va un peu en parler. Alors ce thème de nouvelle lune, j'y viens donc, il a lieu le 1er décembre, c'est le dimanche, donc à 7h21 du matin. Ah dommage, le dimanche on aime bien faire grasse matinée, ben, vous pouvez vous recoucher après si vous voulez. Dans 7h21 vous pouvez commencer à faire un peu avant, toujours une vingtaine de minutes avant, pour pouvoir être déjà calme, posé, dans la paix, et au moment du passage lui-même, émettre ce que vous voulez, soit de la paix, du silence, de l'amour sur toute l'humanité, comme le fameux mantra Loka Samasta Sukhino Bhavantu que chante Ama, qui est un mantra intéressant, qui dit que tous les êtres dans toutes les dimensions, qu'ils soient visibles ou invisibles, qu'ils soient extraterrestres ou terrestres, enfin, etc., que tous les êtres dans toutes les dimensions soient heureux, quoi, soient heureux et en paix. Et ça, quand on fait rayonner ce souhait à partir du cœur, ça a une action indéniable sur son environnement immédiat, bien sûr, mais sur aussi toute l'évolution de l'humanité. C'est très très puissant, ce qui fait qu'il n'y a pas besoin qu'il y ait beaucoup de monde qui fasse ça, mais il en faut quand même un minimum, quoi. Les statistiques qui ont été faites, je le répète, ont démontré par des statistiques scientifiques qui ont été faites par le groupe de la méditation transcendantale, qui rassemblait des milliers de gens aux États-Unis à certains endroits, qui avaient remarqué que au-dessus de 1,5% de la population d'un lieu qui médite, qui se met à méditer assez régulièrement, hein, tous les jours évidemment, parce que sinon ça retombe, qui médite tous les jours régulièrement, et quelquefois plusieurs heures par jour, eh bien il y avait une chute de 50%, la criminalité, des viols, des vols, des assassinats, de tous les conflits, quoi. Donc 50% et des crises de dépression et de malaise psychologique dans les hôpitaux psychiatriques également. Donc c'est pas rien, quoi. C'est dire la puissance qu'est la méditation et l'ouverture du cœur. Ça, je le rappelle, pour ceux qui croient que c'est une simple question de croyance. Non, c'est prouvé scientifiquement. Malheureusement, le système actuel ne répand pas ce genre d'informations qui sont pourtant primordiales pour notre monde. Hein. On risque de faire crever la planète, et ce genre d'informations qui est complètement primordiale est laissé de côté par la plupart des médias mainstream, comme on dit. C'est-à-dire, ça leur paraît... c'est comme l'émission sur les éco-villages, où en fait... Il y a sous-entendu de secte, alors que c'est pas du tout une secte. C'était très très ouvert, au contraire très très libéraux, ouvert à toutes sortes de tendances. Voilà. Puis ils leur disent, ah oui, la légende prétend qu'il faisait pousser de gros légumes. Pourquoi ils disent la légende prétend, alors que toutes les preuves sont là, il y a les photos, il y a l'endroit avant, après, c'est pas du tout de légende, c'était constaté. C'est ça qui a créé le succès du lieu. Donc pourquoi faut rajouter des espèces de jugements péjoratifs comme ça, dès qu'il s'agit de vraies solutions pouvant entraîner l'humanité dans des bonnes directions? Il y a des jugements péjoratifs, des espèces de ricanements stupides, de soupçons de secte, enfin, etc. C'est fatigant, quoi, cette espèce de mentalité petite bourgeoise, franchouillarde, qui croit toujours que si les gens font quelque chose collectivement, ah, ça va être mauvais, ça va être... c'est des gens qui se prennent pour des rebelles, qui sont en fait des réactionnaires. Ça, c'est très important à comprendre aussi. C'est un peu ce qu'on va avoir à comprendre avec ce mois-ci, justement. Le rapport entre est-ce qu'on est révolutionnaire ou est-ce qu'on est réactionnaire? Est-ce qu'en se croyant rebelle, on est en train complètement de réagir de manière avec des émotions négatives? Au contraire, est-ce que un vrai rebelle, c'est celui qui reste en paix et qui est capable de renverser une à une toutes les négativités, les pensées négatives, les positions de défaitisme, d'abandon, de cynisme, de ricanement, où tout est foutu, tout ça, toute cette pensée un peu lourde qui fait le lit du ressentiment et du fascisme.
Donc, voilà, mais des vrais rebelles, il n'y en a pas beaucoup. Tout le monde se croit rebelle, mais il n'y en a pas beaucoup arrêté. Voilà. Donc, ce qui est intéressant, c'est que comme les Français sont un peuple qui aime les débats intellectuels, sociétés, ce qui fait que noyer dans l'Europe, c'est un peu un problème, parce que, voilà, les Français sont les seuls qui vont adorer se réunir dans les salles pour discuter, pour parler des problèmes politiques. Il y a des conférences. Moi, je faisais des conférences, je peux plus maintenant à cause de trop hypersensibilité, je peux plus du tout aller dans une ville, c'est fini. Mais disons, quand je faisais des conférences, j'étais surpris de voir comment les gens sont avides de débats intellectuels, de servir de l'intelligence, du débat, de société pour faire avancer les sujets. Et c'est pour ça que c'est un peuple qui a refusé en 2005, le pseudo constitution démocratique de l'Europe, qui n'était pas démocratique du tout, qui est passée en force quand même, mais c'est bien, les Hollandais l'ont refusé, mais c'est les Français qui ont créé le débat en premier, en repérant qu'en fait, il y avait des super magouilles dans les textes, quoi, et qu'on était en train de faire passer, en fait, une espèce de petite dictature néolibérale en loose dé, quoi. Voilà, donc c'est un peuple très républicain, très politique, c'est la spécificité de la France, et donc ce qui est pas. Les Allemands aiment bien aller au concert, ils aiment bien parler philosophie, parce qu'ils ont des très grands philosophes, et puis aller au concert, c'est un peu très musicien, ils ont très grands musiciens, c'est sûr, hein. Mozart, Bach, tout ça, Beethoven, tout ça, c'était du côté allemand, hein, c'est pas du côté français. Nous, on a Claude François et Chantal Goya. Enfin, je rigole, ou du rap débile maintenant, mais bon, c'est pas terrible, quoi. Mais bon, voilà, c'est un peuple, disons, voilà, musicophile, comme on dit. Et puis, les Anglais, les Américains, c'est le foot, ou le cricket, ou le baseball. On voit très bien que voilà, c'est ça qui les anime. Donc, alors que la France, c'est un pays vierge, où Cérès et il a de la balance aussi. Et Mercure et Cérès sont très forts dans son thème, et ça fait ce côté très. Donc, c'est un pays où on peut se poser des questions, où on peut porter des mouvements sociaux vachement forts, qui vont influencer finalement après tous les autres pays. Donc c'est important de pas renoncer à notre spécificité, même si on est pris économiquement dans l'Europe, et c'est presque un peu obligatoire vu les gros blocs qui se créent de pouvoir. Dans le cadre du capitalisme actuel, c'est presque obligatoire, hein, mais après, dans le cadre de la nouvelle société qui va venir, tout ça va s'écrouler, hein, tôt ou tard. Mais bon, en attendant que ça s'écroule totalement, qu'il y ait cet effondrement, il est nécessaire de défendre certains positionnements qui vont permettre une citoyenneté active. Si on regarde actuellement toutes les formes de civilisation positive, c'est-à-dire le fait, c'est quoi un civilisé? C'est quelqu'un qui vit en harmonie, en collaboration, qui vit avec ses concitoyens, quoi. Qui voilà, qui ça, la démocratie, c'est de faire le lien avec les autres, et même si on n'est pas d'accord, de les écouter, de voir comment on peut, voilà. Et on voit une destruction de toutes ces formes positives de civilisation, de solidarité collective, hein, une négation de tout ce qui est collectif pour un individu cynique et ricanant. Et les lois protectrices du public, ce qu'on appelle, je rappelle le mot république, la république française, ça vient de res publica, c'est-à-dire la chose publique, donc c'est-à-dire ce qu'on a appelé aussi autrefois les communs, c'est-à-dire l'eau, la nourriture bio, qui devrait être accessible partout, l'énergie. On ne peut pas laisser les gens crever de froid ou de faim. Donc ça doit toujours être protégé, un pays devrait toujours protéger ses sources de nourriture, ses sources d'eau et tout ça. Et c'est pas du tout ce que fait le néolibéralisme, qui lui essaye de transformer ces moyens communs, de les privatiser pour en faire des sources de revenus. Donc ça le néolibéralisme nous mène vers ce que j'appelle, moi, la facho-économie, c'est-à-dire une néo-mafia mondiale qui est tout à fait bien représentée par les cinq cavaliers d'Apocalypse, dont je parle. Donc, faire société, c'est pas quelque chose qui va contre la liberté individuelle. La liberté individuelle n'existe pas en réalité. La liberté individuelle n'existe que là où commence celle des autres et non pas où elle s'arrête, comme on nous le fait croire. C'est pas un ensemble de parcs avec des barbelés comme maintenant dans les maisons, dans les lotissements, là, chacun son petit maison, ses petits barbelés autour. C'est typiquement l'occupation du territoire à la française, quoi. Alors qu'en fait, notre liberté ne s'arrête pas où commence celle des autres. Notre liberté commence par celle des autres. C'est l'inverse. Donc, et c'est à partir du moment où notre liberté commence par celle des autres et qu'on va être solidaire de la liberté des autres qu'on va pouvoir refaire société. Enfin voilà, ça c'est très très important à introduire par rapport à c'est parce que donc cette nouvelle lune étant en Sagittaire,
J'y viens quand même, parce que tout ça vient de l'astro, mais j'essaye aussi d'élaborer une pensée qui permette de réfléchir aux grands enjeux, en particulier ces planètes que j'utilise et que les autres n'utilisent pas, Bacchus, par exemple le sextile Bacchus, Pluton, les gens ne le voient pas parce qu'ils n'utilisent pas Bacchus, tout simplement. Le fait que Apollon, que j'ai découvert en tant que planète hypothétique, bien sûr, mais qu'il soit en ce moment, pour cette nouvelle lune et pour tout le mois de décembre, donc conjoint à Orcus, qui est un énorme astéroïde découvert récemment, après vers 2004-2005, je ne sais plus la date exacte, 2010, je ne sais plus, bref, qui sont conjoints tous les deux exactement au milieu du ciel à 17 degrés Vierge, exactement sur Orcus qui est à 17,5, et Apollon héliocentrique à 18,5. Donc on est avec une conjonction forte. Dominant le thème, ce qui repose à nouveau le problème de l'écologie, hein. Alors, on pourrait dire que, pour regarder comment ça se joue, puisque c'est en Sagittaire, quels sont les aspects qui jouent? Il y a un carré à Saturne, qui est en Poisson, qui est carrément angulaire, alors malheureusement qui sera angulaire pour Kiev, je crois. Non, on sait. Où est-ce que j'ai vu que c'était angulaire? Non, c'est sur Paris, pardon. Non, Nantes, voilà, c'est à Nantes. Excusez-moi. Sur Nantes, ça sera complètement angulaire. Ce qui fait que si vous faites votre méditation, vous aurez. À 7h21, au moment même, le 1er décembre, où aura lieu 7h21 du matin, où aura lieu cette nouvelle lune, eh bien, en même temps, le Saturne sera exactement angulaire au fond du ciel, ce qui peut présager peut-être dans la région nantaise ou rennaise des mouvements sociaux, quelque chose, enfin des mécontentements importants, puisque Saturne devenant angulaire comme ça, il va jouer au fond du ciel, il va jouer sur le ressentiment, le ras-le-bol, le côté, le peuple n'en peut plus d'être pris pour la vache à lait ou les licenciements, tout ça, enfin, voilà, le peuple est pris comme variable d'ajustement des gains politiques des hyper-riches, quoi. Donc ça devient carrément insupportable, évidemment, ça risque de réagir aussi. Donc, ce carré de Soleil en Sagittaire, le Sagittaire, c'est un peu le. Oui, c'est la croissance, c'est l'optimisme du bourgeois qui investit pour se faire encore plus d'argent, pour ramasser la mise, quoi, comme au poker. Voilà. Et puis carré à Saturne en Poisson, c'est ouais, et les pauvres, et les laissés de côté, et les chômeurs, et tout ça, qu'est-ce qu'on en fait, quoi? Et là, ce carré indique qu'il va falloir retrouver, ça va faire crise, il va falloir à travers le malaise social trouver un moyen de gouverner autrement, quoi. Il va falloir, d'ailleurs, avant que je fasse cet enregistrement qui dit cela, quoi, je viens d'apprendre que, je crois que c'est notre Premier ministre, là, Barnier, j'ai entendu à la radio, qu'il était en train de lâcher du lest très très fortement sur un budget de rigueur, qui est de rigueur toujours pour les mêmes, évidemment. Donc là, ça risque de craquer s'il n'y a pas cet assouplissement, donc il fait très bien. Tant mieux, mais je ne sais pas si c'est le cas, hein, parce que j'ai pas eu le temps de détailler. En ce moment, j'ai un certain nombre de problèmes de réception de communication. J'ai un problème de panneau solaire, pour tout dire, qui fait que je ne suis plus du tout branché sur quoi que ce soit à l'extérieur, donc j'ai très peu d'informations. Je me méfie de tout ce qui peut venir de ce gouvernement, évidemment, mais j'ai entendu ça vite fait, sans l'écouter, et apparemment, il y aurait eu sous la pression de peut-être sûrement de LFI d'un côté, puis peut-être du RN de l'autre, qui fait n'importe quoi pour être démagogique tout en se disant le seul but étant d'acquérir le pouvoir pour faire ensuite exactement l'inverse, puisqu'ils ne sont pas du tout au service du pouvoir. Et l'extrême droite, comme son nom l'indique, a toujours été extrêmement à droite, et donc du côté des plus riches et des lobbies. Ce qu'on peut vérifier quand on voit comment ils votent depuis 20 ans. À la Commission européenne, c'est très très clair qu'ils sont pro-lobby et donc ils n'amélioreront jamais le quotidien des plus pauvres comme ils le prétendent, comme surtout Marine Le Pen le prétend, avec son côté un peu Ménage 68, donc
Elle a un papa facho, et puis comme elle est née en 68, elle a un harmonieux mélange entre fascisme réactionnaire et apparence de populisme défendant les braves gens. Mais c'est. Alors, il peut y avoir en elle une sincérité, hein, mais on étudiera, je ne vais pas en parler maintenant, on étudiera son thème pour voir comment, jusqu'où elle croit dans la fable qu'elle nous raconte. Les meilleurs menteurs sont ceux qui croient dans leurs mensonges. Hein. Regardez Macron, c'est comme ça. Hein. Bon, donc, où j'en étais. Donc ça, c'est 7 h à Paris, si vous habitez Paris, par grand nombre, ben, c'est à 7 h 05 que Saturne passera au fond du ciel. Donc commencez votre méditation au moins à 7 h. Je suis désolé pour les Parisiens. Et encore plus tôt, si vous êtes du côté de Marseille ou de Strasbourg, vous rappelez cette règle, plus on avance. Plus l'angularité se fait plus tôt, si on plus on avance vers l'est. Et inversement, vers l'ouest, plus ça se fait un peu plus tard. Donc c'est marrant, à Nantes, c'est exact l'angularité de Saturne. Donc peut-être il peut y avoir ou une épreuve climatique, ou une inondation, je sais pas, enfin, quelque chose qui peut jouer sur le climat aussi. Puisque Saturne Poisson a tendance à rassembler les karmas et à faire tomber en fait d'un seul coup, d'un seul, tout le karma au niveau psychique, mais aussi au niveau la nature est une grande psyché qui se défend de ces parasites que sont les humains actuellement, quoi, qui essayent de la détruire. Donc c'est normal qu'il y ait une espèce de réaction d'ajustement en fait, des variables d'ajustement que peuvent être les fontes des glaciers, les changements climatiques et tout ça qui sont indéniables, quoi. Alors, si vous voulez des infos sur ce que vaut Apollon là-haut au milieu du ciel, qui lui est en face de Saturne, donc on a donc un grand carré Soleil, Lune, Sagittaire, Apollon, Orcus en Vierge là-haut au milieu du ciel, et au fond du ciel Saturne conjoint à Nessus. Nessus, c'est un astéroïde qui parle d'empoisonnement, de manipulation, de tromperie. Tout ça n'est pas très drôle, je suis désolé. Et donc, il y a beaucoup de. Et Jupiter vient exactement en face en Gémeaux, rétrograde, en Gémeaux, donc en exil, donc pas très bon. Il va augmenter la notion de mensonge, de manipulation, de déguisement de la vérité en autre chose. On fait semblant de s'intéresser au problème, et puis en fait, on va par d'habiles manœuvres. C'est ce qui va, c'est ce que je dis souvent, c'est une espèce de les magouilles des possédants, quoi, des riches, des banques, tout ce qui est des intérêts égotiques, quoi. Ça crée des mensonges médiatiques, alors que ce soit les médias mainstream ou CNews, enfin, etc., ou même certains sites soi-disant qui ramènent la vérité, mais bon. Et bon, tout ça, c'est Jupiter en Gémeaux. Donc, les manipulations politiques aussi, le jeu des partis, parce que les partis, même s'ils défendent quelquefois, je pense à certains vedettes de LFI là, qui n'ont pas leur langue dans leur poche et qui sont capables de dire des choses très très justes, mais en même temps, ils ont une politique de parti qui fait qu'ils doivent suivre un petit peu ce que les directives que va donner Mélenchon pour plutôt taper là-dessus que là-dessus. Bien que. Bon, il y a une grande sincérité de fond parce qu'ils sont pas au pouvoir. Donc, à partir du moment où les gens sont au pouvoir, des fois, ils changent. Mais enfin, disons que là, c'est intéressant, quoi. Et ça va s'opposer, ce Jupiter, à cette conjonction Soleil-Lune en Sagittaire, qui peut représenter, du coup, aussi, face à ce mensonge, le côté la vérité, l'idéal, l'utopie positive, si vous voulez, le côté, bah oui, on peut quand même essayer quand même de s'en sortir, par des mouvements sociaux, par des rassemblements d'individus qui se mettent ensemble. On peut penser à des manifs ou à des ONG, enfin tout ce qui est. Les institutions ne sont mauvaises que quand elles sont sclérosées. Une association de défense de tel ou tel droit qui apparaît toute nouvelle, ou une ONG qui a ou une ONG, pardon, une organisation non gouvernementale qui apparaît pour régler un problème dont personne ne s'occupe, c'est très très bien, évidemment. Le risque, c'est qu'en s'institutionnalisant, ça se sclérose, mais au début, c'est frais, c'est fort, et ça peut éviter, comme ça peut s'opposer justement aux mensonges, aux magouilles, aux manipulations des politiques ou des économistes. Voilà.
On peut penser aussi aux décisions de justice. Jupiter représente souvent les magistrats et tout ça, qui s'opposent, soleil et lune, au pouvoir, quoi, qui dit voilà ce que je veux faire. On peut penser à la décision de justice qui a eu lieu sur la 69, là, récemment, où en fait, le juge a réellement décidé qu'en fait, tout ça s'était fait contre la nature, contre l'utilité même. En fait, on retrouve le conflit entre les ZAD, comme Notre-Dame-des-Landes, quoi, et les GPI, les grands projets inutiles, quoi. C'était un grand projet inutile et la justice l'a remarqué. Et pourtant, ils ont bousillé des milliers d'hectares de bonnes terres et tout ça, en le couvrant avec les bulldozers, tout ça. Ils ont déjà commencé, ils ont abattu des arbres centenaires, tout bousillé pour un projet complètement inutile. Maintenant, c'est la justice qui le dit. Alors évidemment, ça plaît pas au gouvernement, tout ça. Ça peut faire jurisprudence, tout ça. L'autre exemple qu'on peut voir, c'est le conflit aussi entre la Confédération paysanne, la bio, quoi, tous ceux qui défendent la bio aussi. Et puis de l'autre côté, c'est pas la même chose, hein, ils sont quand même alliés en général. Et puis de l'autre côté, la FNSEA et les lobbies de l'agrochimie qui sont complètement ensemble. Alors là, je vous recommande chaudement la petite vidéo de Walidia sur YouTube. Chercher Walidia, les procès de Marine Le Pen, Walidia, je crois que c'est ça le titre, où il parle de Netanyahou, il parle de Trump, c'est un régal. Et c'est très drôle et c'est très très juste, et voilà, il montre bien ce qui se passe à ce niveau-là. C'est idem le genre de conflit Jupiter rétrograde Gémeaux avec Soleil Sagittaire, c'est vraiment une période de conflits mentaux très très forts, quoi. Les conflits entre les problèmes sociaux, quoi. Chômage, inflation d'un côté, et puis de l'autre côté, les budgets de rigueur, surtout pour les plus pauvres, bon, ça j'ai déjà dit. Mais voilà, donc ça c'est important de voir. Voilà. Alors maintenant, si on continue ce grand carré mutable et qu'on le croise avec l'opposition Saturne-Apollon, alors ça veut dire que ça craque là au niveau de l'écologie. Saturne, carré Jupiter et le carré au milieu du ciel avec Apollon. Voilà, le changement climatique qui fait quelque chose, quoi. Par rapport au paradigme économique néolibéral obligatoire, là, dans lequel on est tous obligés, en tant que sujet de sujets sociaux, de vivre, de dépendre pour notre loyer, pour notre salaire, tout ça, eh bien, ce système, il est fait de telle sorte qu'on ne peut pas résoudre la question du changement climatique. C'est impossible, à part par des fausses solutions. Donc là, il y a des solutions possibles. Hein. Le nouveau paradigme de l'ère du Verseau fait qu'il y a des solutions possibles. Mais, encore une fois, petit clin d'œil à ce sujet, allez voir, je mettrai le lien en dessous, ou plutôt mon ami les mettra en dessous, puisque moi je peux pas, c'est pas moi, je rappelle, qui met ça, je peux pas du tout aller sur Internet de manière... possible, facile, quoi. À cause de cette allergie aux ondes. Allez voir le discours présidentiel de Cyril Dion. C'est une blague, mais c'est-à-dire, c'est la lutte finale enchantée, j'ai appelé ça, de Cyril Dion, quoi, qui se lance en campagne avec Allons enfants de la patrie, l'hymne national. Enfin, bon, évidemment, c'est une blague, mais c'est hyper intéressant. Ça a lieu le 27 novembre à 14h45. C'est la lutte enchantée de Cyril Dion sur la Terre au carré, l'émission La Terre au carré. Très très intéressant pour voir ce qui se passe aussi à ce niveau-là et pour nous rappeler qu'il y a des solutions possibles, évidemment. Donc là, voilà, c'est les nouveaux paradigmes sont là, mais ils sont en attente parce qu'on n'en parle presque pas, ou alors, comme dans l'émission que j'ai entendue cet après-midi, sur les éco-villages, bon, on s'en moque, quoi. Alors qu'en fait, on ferait mieux de se moquer de l'utopie terrible, l'utopie absurde qui consiste à croire qu'on va continuer à pouvoir aller à son petit boulot, à toucher son salaire, retourner dans sa petite maison avec sa petite bagnole, dans un système qui va s'effondrer. Ça, c'est la grande utopie. Ça ne va pas tenir. Et ceux qui auront eu la présence d'esprit de trouver le moyen de se réveiller et de faire autre chose collectivement, ben, seront les gagnants et non pas ceux qui suivront le mode d'emploi. Bien que pour l'instant, ils sont apparemment perdants. Et ce,
Il suit encore quand? Quelques temps, apparemment. Donc, l'autre aspect, donc alors, on voit quand on regarde cet ensemble d'aspects, que Jupiter, carré Saturne, est en train, en même temps, dans son mouvement de rétrogradation vers Saturne, de relancer le problème économique clé, quoi. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus d'inflation, il y a de plus en plus de pertes de pertes de richesses avec la désindustrialisation et avec la concurrence énorme de pays facho-collectivistes comme la Chine. Et donc là aussi, si les gens, vous leur donnez de l'argent, vous les payez plus, comme va demander la CGT, tout ça, mais qu'ils vont en profiter pour s'acheter des grands écrans avec des marques chinoises, comme ça, ils sont en train de creuser leur propre tombe, parce que ils donnent l'argent. Quand vous donnez de l'argent à quelqu'un, c'est votre vrai bulletin de vote, vous lui dites, continuez à faire ce que vous faites, ça m'intéresse. Donc quand vous donnez de l'argent à des Chinois qui exploitent les Ouïghours, qui tuent les Tibétains, qui ont une espèce de dictature absolue, Big Brother, surveillance absolue de tous les individus, aucune liberté individuelle, une espèce de fourmilière où on bosse, on bosse, on bosse, pour presque pas payer, vous leur dites, continuez à faire ça, ça m'intéresse vachement parce que c'est moins cher. En général, c'est de moins bonne qualité d'ailleurs, mais donc à chaque fois que vous faites ça, vous creusez le malheur de votre propre pays. Mais on sait que, effectivement, certains négatifs poissons, là, nous disent, oui, mais on s'en fout, je m'en fous de mon pays, mon pays m'a trahi, il ne correspond pas à ce que je voudrais. Le nombre de gens qui ne votent plus du tout montre qu'il n'y a plus de correspondance entre la proposition que font les politiques et puis ce que veulent vraiment les gens. Donc ça crée une espèce de dégoût qui fait que ce dégoût devient une haine de soi, une haine de l'autre, une négativité ambiante extrêmement difficile, quoi. Et ça, évidemment, ceux qui entreprennent Jupiter, quoi, ceux qui entreprennent essayent de se dégager de ce marasme avec les côtés, restons positifs, comme Macron, là, regardez, on a construit une belle cathédrale et tout contre. Voilà, c'est le message, c'est restons positifs, ouais, mais ça vaut rien. Si rester positif, ça constitue à continuer à nourrir un système qui lui-même détruit totalement la planète et qui n'a pas d'autre solution que de le faire, puisqu'il n'y a pas d'alternative proposée. Quand il y a les alternatives, on les détruit. La destruction systématique de toutes les propositions écologiques qui sont faites actuellement à ce gouvernement, sous prétexte que c'est l'extrême droite qui est dominante et à qui il faut faire des fleurs, puisque on pense que la plupart des Français sont d'extrême droite. Mais non, il y a plein de gens qui sont pas d'extrême droite qui n'ont même pas voté. Donc il y a quelque chose de. Ça devient totalement absurde. Et alors là, le Soleil en Sagittaire, il fait un trigone à Mars et un trigone à Bacchus, justement, et au nœud nord en Bélier. On voit bien que l'heure est à l'action. Très très fort, action révolutionnaire ou réactionnaire. Encore une fois, rappelons-nous des gilets jaunes, ça peut très très bien revenir. Je rappelle que souvent les révolutions commencent par Nantes et que là, le Saturne en poisson, c'est une ville qui a un côté uranien, comme Toulouse, ça. Grenoble, mais Nantes particulièrement. La révolution française a commencé en 1788 à Nantes. Enfin, bon, c'est intéressant de se demander pourquoi tout d'un coup les Bretons, puisque Nantes n'est pas bien qu'on l'a placé en Pays de Loire, Napoléon, pour casser les mouvements chouans, tout ça, il l'a placé en Pays de Loire pour casser la Bretagne, quoi. Mais en réalité, les Bretons ont souvent ce côté très révolté en avance. Mais ils peuvent être aussi complètement réactionnaires. Je rappelle que Bolloré ou Le Pen, c'est des familles bretonnes. Donc, voilà. Ça peut être l'idéalisme, ça peut être le militantisme, c'est l'aspect un peu de Mars, Lion et Bacchus en Bélier, mais à cause de Bacchus, ça peut être conjoint de Nord en Bélier, ça peut être dogmatisme politico-religieux, ça peut être fanatisme ou nationalisme et tout ça. C'est tout ça qui est en route en ce moment, hein. Alors bon, ça va jouer en particulièrement sur les États-Unis, puisque Bacchus est très, très lié. Ben, puisque c'est la dominante de Elon Musk ou de Trump, on voit très bien la direction que ça prend, quoi. Ça devient. Y a, voilà. Mais en même temps, ça nous parle. Mars en Lion nous parle du militantisme possible. Alors, à ce sujet, trois petits liens que je vous mets à vraiment écouter pour vous former. Et si vous ne connaissez pas les situationnistes,
dont j'ai fait partie dans ma jeunesse, c'est écouter Une vie, une œuvre de le podcast 30 novembre 2024 à minuit, ce samedi donc, où je suis en train d'enregistrer, en pleine nuit, juste après. Guy Debord et les situationnistes, très intéressant Guy Debord. Voilà, j'ai pas entendu en entier, mais je garantis que ça doit être très intéressant. Bon, la lutte finale enchantée de Cyrillon, je vous l'ai déjà dit. Et puis, n'oubliez pas, comme des militants un peu qui disent les choses et qui militent par l'humour, parce que l'humour permet vraiment d'être très destructeur. Que, on se rappelle de Coluche, comment il a en créant le Resto du Cœur, il a obligé presque tout le monde à faire partie de ce mouvement caritatif, mais de solidarité. C'était pas non plus seulement caritatif, c'était une solidarité sociale, citoyenne. Et il a obligé tous les grands vedettes du showbiz à participer en les appelant les enfoirés, ce qui veut dire qu'il n'était pas dupe. Et voilà, donc ça, l'humour peut être dévastateur du point de vue de ces gros pouvoirs qui nous oppressent. Ne ratez pas pour ça le podcast de Radio Nova qu'on peut trouver sur YouTube ou sur Radio Nova. Et voilà, la dernière, ça s'appelle, c'est l'ex-émission de France Inter qui a été censurée et qui, puisque tout France Inter a été mis au pas par des directives macroniennes, des changements de direction pour recréer en fait l'ORTF gaulliste, quoi, où il y a une peur vraiment de mouvements révolutionnaires qui peuvent apparaître. Et dans cette émission, Radio Nova, là, il y a les interventions musclées de Pierre-Emmanuel Barré et d'Emery Plompré qui sont vraiment à ne pas rater à chaque fois. Dommage, il faut chercher les interventions de Walidia, il faut les chercher ailleurs. Je ne sais pas pourquoi il n'est pas dans la bande, mais bon, voilà. Et puis avec Guillaume Meurice qui est en animateur principal, qui est très intéressant aussi parfois. Et puis la Juliette qui est très intéressante au niveau aussi de ses émotions affirmées, émotions féminines très affirmées, et féministes également, très intéressantes aussi. Voilà, j'en oublie sûrement, mais c'est pas grave. Voilà, ça c'est des exemples positifs de ce militantisme. Donc voilà les deux tendances. Donc un grand trigone de feu qui dit là c'est le moment de bouger. Ça peut être des mouvements de guerre, mais ça peut être aussi des mouvements de militantisme. Le Mars en Lion en Maison 9 peut marquer évidemment l'idée de guerre à l'étranger. Il faut voir qu'on est mal barré parce qu'avec Trump qui arrive et l'autre fou qui commence à utiliser des missiles balistiques de longue portée, menaçant même de les faire porter des ogives nucléaires, donc des débuts, menaces de guerre nucléaire, ce qui est extrêmement grave et totalement irresponsable évidemment. Mais ça, je l'avais dit, hein, les gens ne me croyaient pas. J'ai déjà dit que Poutine était un fou complet, et même Trump aussi. Donc on est dans le sale gras au niveau mondial, puisque le président des États-Unis, c'est un peu celui qui alors, c'est en train de se terminer à cause de la multipolarisation qui est liée au niveau géopolitique. Hein. C'est plus du tout la bipolarisation Est-Ouest, c'est terminé. On le sait ça depuis les années 90, mais ça s'est aggravé avec, alors justement, avec une politique intéressante au tout début qu'avait Poutine, qui a trompé son monde à ce niveau-là, qui s'est montré un peu solidaire aussi des pays qui résistaient aux États-Unis, mais c'était absolument pas. Alors les Africains vont être les dupes de ça là. Et on est, par exemple, la France vient de perdre le Tchad, on perd le Mali, on perd toutes les colonies, elles sont perdues. Bah forcément, hein, si vous avez vu les films OSS 117, ils se comportaient comme les colons français se sont toujours comportés comme des sagouins, hein, qui se gavent sur le dos des Africains, quoi. Alors évidemment, ça n'a pas plu, mais quand je vois les pauvres Africains, des jeunes souvent, qui disent ça y est, on a gagné notre indépendance parce qu'ils se sont mis sous la coupe de Wagner et de Poutine, mon Dieu, ouais, on a plus confiance aux Russes parce qu'ils viennent nous libérer des Français. Mais ils tombent de carré dans scie-là, hein. Ils se rendent pas compte que les Français, tu leur dis de partir, ils partent, c'est ce qui se passe, mais les Russes, ils vont pas partir aussi facilement, ni les Chinois non plus. Donc ils sont en train de.
d'être grand remplacés, eux, par des dictatures fascistes dont ils auront un mal de chien à se libérer. Je rappelle que une fois qu'une dictature fasciste est installée, elle peut rester 20, 30 ans avec une pseudo-stabilité du pays, certes, mais qui engendre d'immenses souffrances et des tortures, des opposants, etc. Enfin bon, c'est toujours horrible à chaque fois. Et c'est là, dans leur joie naïve, ils sont en train de. C'est pas raciste ce que je dis, hein. Ça pourrait le paraître, mais là, il y a une grande naïveté des peuples africains par rapport à cette libération qu'ils sont en train de vivre. On remplace une colonisation par une autre il y a de grandes chances qu'elle soit pire. Voilà. Et l'Afrique, c'est poisson, hein. En général, tout le continent africain est marqué par le signe des poissons. Et là, ce Saturne en poisson, ben, voilà. Il marque aussi que les souffrances ne sont pas terminées pour les peuples des pays africains. Alors que c'est un immense continent qui peut avoir un avenir au niveau écologique si on introduit l'écologie comme facteur principal et non pas la colonisation pour le fric. Voilà. J'ai parlé donc de ce trigone. J'ai parlé du grand carillon mutable, donc beaucoup d'agitation mentale. Alors pour les individus, faites gaffe, hein, essayez de pas trop vous agiter mentalement, de pas trop vous énerver parce que c'est très contradictoire, on ne sait plus sur quel pied danser. Le Sagittaire nous invite à nous sentir positifs, responsables et à aller de l'avant. Le Saturne en poisson peut nous créer des phases dépressives qui cassent le moral, quoi. Jupiter en gémeaux peut nous amener en réaction à ces dépressions, à se mettre à se distraire ou à raconter n'importe quoi ou à croire à des mensonges qu'on nous raconte, être manipulé par autrui, ou au contraire, vouloir manipuler autrui, ou se manipuler soi-même en se mentant à soi-même pour manipuler autrui. Et voilà, toutes les manipulations possibles avec Jupiter en Gémeaux sont très très fortes et créent beaucoup de confusion mentale. Et avec Apollon en Vierge, il y a cet énervement possible qui dit, mais le bien suprême, c'est quand même qu'on retrouve le lien avec la nature, qu'on retrouve le lien avec la vraie vie et avec les vraies nourritures, donc bio, végétarienne de préférence, puisque tiens, ça a été prouvé, ce que je raconte depuis des années, que ça a été prouvé récemment par des experts du GIEC, en fait, que si l'humanité devenait végétarienne, quoi. Je sais plus quel chiffre ils ont donné, même pas toute l'humanité, je crois que 50% et tout, on aurait un rattrapage immédiat du changement climatique en l'espace de 50 ans seulement, c'est-à-dire qu'on éviterait la catastrophe de 2100 qui sera des millions de morts, quoi. Donc ça, on peut l'éviter, mais il faut cette condition-là qui est actuellement presque impossible, parce que les gens ne comprennent pas que c'est pas seulement le capitalisme et les gouvernants qui sont responsables de ça, mais c'est eux-mêmes aussi. C'est-à-dire qu'il faut à la fois travailler sur une autodiscipline qui va nous amener à changer de nourriture petit à petit, de manière à ne plus financer des nourritures toxiques, empoisonnées, sous pesticides, tout ça, donc bio, végétarienne. C'est le résumé de ça, puisque la viande et la production de viande est l'industrie la plus polluante et celle qui produit le plus de CO2 également. On ne parle pas du méthane du cul des vaches qui est 27 fois plus polluant que le CO2, mais c'est même pas ça. C'est la quantité que ça crée de problèmes à tous les niveaux, sanitaires, pollution, les cancers, tout ça. Il y a plusieurs preuves que les viandes en général sont cancérigènes. On vient de découvrir récemment l'association Bloom qui a découvert que je sais pas si c'est Bloom, mais je crois que c'est eux qui ont découvert que les boîtes de thon étaient remplies de mercure. Mais c'est tous les poissons, c'est pas que le thon. Sauf que le thon concentre plus le mercure parce qu'effectivement c'est un poisson carnivore qui bouffe des petits poissons. Donc, évidemment, ça concentre encore plus. Mais c'est tous les poissons actuellement. Moi, autrefois, quand je donnais des conseils diététiques aux gens, ceux qui ne voulaient pas devenir végétariens, je leur disais manger un tout petit bout de jambon ou comme ça une fois par semaine, jamais plus. Et si vous voulez manger du poisson, voilà. Et maintenant, je donne plus de conseils parce que le poisson est devenu complètement. La pollution au mercure des océans est terrible. Terrible, terrible. Bon, voilà. Donc, ça, c'est à savoir. Et on peut parfaitement vivre et avoir de très bonnes recettes, de très bons repas.
Je me répète, mais c'est, et je répète peut-être à des gens qui en sont convaincus, mais c'est important de voir qu'actuellement, c'est prouvé scientifiquement qu'il y a une action directe. C'est la manière la plus simple d'aller très vite pour éviter la catastrophe climatique. C'est la manière la plus simple. Elle est à la portée de tous. Tout le monde peut faire ce virage et devenir végétarien ou même végane pour aller plus loin. Sachant qu'en étant végane, c'est un tout petit peu plus compliqué à équilibrer. Il faut être un peu plus renseigné. Souvent, ceux qui deviennent végans, c'est souvent ça va être des étudiants ou des gens qui ont le temps de passer sur Internet pour voir. Parce qu'on ne nous dit rien, quoi. On nous donne de la merde à bouffer et on nous dit c'est comme ça qu'il faut bouffer. Dès qu'il faut manger autrement, on est obligé d'improviser et beaucoup se plantent à cause de ça. Mais on peut très bien être végan également. C'est pas un problème. Voilà. Donc, j'en ai fini avec ça. Alors, le fait qu'il y ait beaucoup comme ça de mutables, ça veut dire qu'au niveau individuel, il faut de la clarté, de l'unité et de l'idéal. C'est ça qui va permettre de lutter, donc Sagittaire, qui va contre les mensonges, les petits arrangements avec la vérité, tous les alibis du personnage, du paraître, et du paraître qui se bat tout le temps contre l'être. Hein. Le paraître, c'est ne paraître, c'est ne pas être, on pourrait dire. Pas être bouillant. Tout ce qui est les mensonges du personnage par rapport aux exigences intérieures. Parce que l'exigence de tout être humain sur Terre, c'est de devenir un véritable homme, avec un H majuscule. C'est valable pour les hommes ou les femmes. C'est-à-dire un humain avec un H majuscule. Et le but de tout homme, une fois qu'on est devenu homme, vraiment avec un H majuscule, humain avec un H majuscule, on va dire, c'est de devenir Dieu après. Donc c'est le passage. Devenir humain avec un H majuscule, c'est-à-dire, c'est savoir que notre âme, donc notre thème astral, est là pour nous indiquer la voie, et malgré toutes les difficultés, les karmas, les négativités, les obstacles qu'on peut rencontrer dans la vie concrète. Donc, plus on va écouter son âme, plus on va être heureux et se développer. Ça, c'est la grande clé. Et il faut jamais. Vous pouvez en trouver une explication plus nette dans l'audio précédent qui parle des deux audios qui se suivent, qui sont un véritable cours d'ésotérisme sur les sept niveaux d'évolution. Évidemment, on a à la fois l'ego, le moi, l'âme. Il ne s'agit pas de voir ça comme une montée. On n'est pas à un niveau d'évolution, c'est comme une mer qui monte. Ça, j'ai déjà expliqué. On contient le niveau précédent aussi. On contient toujours l'ego ou le moi quand on vit avec l'âme. Mais ils sont moins puissants et ils nous dirigent pas dans la mauvaise direction. Ils nous permettent de plus en plus d'évoluer. Plus on va vers l'âme, plus notre vie est orientée vers l'évolution, facilement. Plus on va vers l'ego, plus on est paumé, plus tellement notre vie se dirige vers n'importe quoi et on n'est pas cohérent. On n'arrive pas à être cohérent. Et le mensonge de l'ego nous envahit de totalement. Donc ça va créer une crise, il y a une crise des discours creux, le macronisme étant la grande spécialité des discours creux, hein. Cet axe vierge au milieu du ciel et fond du ciel poisson nous indique que bon, il y en a ras-le-bol des discours creux. Et puis tous les démagogies populistes, que ce soit aussi, c'est-à-dire d'un côté LFI, d'un côté RN, de l'autre, et puis, ou les républicains aussi, qui sont pas mal à ce niveau-là. Ils se disent pas populistes, et c'est pourtant, ils sont populistes pour les riches. Voilà, donc on confond le populisme avec le peuple réel, quoi. En fait, les démagogies sont contre le peuple réel. Les populismes qui promettent des choses au peuple pour mieux les tromper après, c'est pas juste. Alors ceci dit, à mon avis, la France insoumise n'est pas populiste. C'est appelé abusivement comme ça. Ils sont appelés antisémites aussi parce qu'ils se battent contre le fascisme de Netanyahou. Tout ça, c'est des accusations totalement fantaisistes. Hein. Le populisme, c'est quand on essaie de promettre au peuple quelque chose et qu'on n'a aucunement l'intention de le tenir. Bon, suivez mon regard, Bardella et compagnie. Et il suffit de voir, encore une fois, ce n'est pas des affirmations gratuites, il suffit de voir leur comportement quand ils sont au pouvoir quelque part. Ils piquent dans la caisse, ils sont incapables de. Les 27 procès là, qui sont 27 accusés avec que des magouilles qui sont largement prouvés, bon, c'est pas. Ça, bon, ils ne sont pas les seuls, il y a d'autres partis qui le font aussi, mais disons, eux, ils ont le record de magouilles.
Donc, si on trompe les gens comme ça avec des mensonges, il y a une démonétisation, j'aime bien le mot d'ailleurs, démonétisation, c'est un mot comme par hasard économique, il y a une démonétisation du discours, du langage, sauf le langage littéraire en France encore, qui prend encore un sens, qui est presque une mystique, une religion française. Mais qu'est-ce que ça fait, tout ça, que les discours valent plus rien? C'est que, bon, moi par exemple, je travaille dans. C'est pas pour me mettre en valeur, mais c'est pour dire j'essaie de travailler à ramener la vérité grâce à l'astro qui nous dit dans quel sens les âmes doivent évoluer. Mais ça vaut plus rien maintenant. On pense que je blablate selon ce que je pense, alors qu'en fait j'essaie de lire quelque chose qui est écrit dans les thèmes. Alors évidemment, la plupart des astrologues ne vont pas aussi loin parce qu'il y a une différence entre des. Il y a certains niveaux là aussi d'évolution dans la pratique de l'astrologie. Mais disons que les messagers de la vérité, tous ceux qui redonnent le sens de l'évolution, donc ils sont précieux pour l'humanité, tous ceux qui donnent aussi des indications ou des pratiques pour la spiritualité nouvelle émergente, celle qui est invisibilisée justement par les médias mainstream, et tout ça, cette spiritualité de l'ère du Verseau, celle qui va donc transformer la civilisation pour nous faire entrer dans un nouveau paradigme, eh ben, ils sont perdus dans la masse des discoureurs, des hâbleurs, des réseaux sociaux, des influenceurs, là, tous les plateaux télé, CNews, tout le bazar, les coachs en vénalité, faites comme moi, devenir riche à Dubaï, enfin, tous les faux maîtres, bankable, quoi, c'est-à-dire les gens qui prétendent apporter de la libération, qui sont même pas éveillés, enfin voilà. Donc ça crée un nivellement par le bas du sens de la vie. Du sens de l'humanité elle-même, quoi, et sous l'effet du poids des lois du marché. Donc chacun doit donc retrouver, avec une intention claire et exigeante, c'est ça que les gens ne comprennent pas. Il faut une intention très claire et exigeante, parce que si on n'exige rien de soi-même, on n'aura rien. Il y a un effort intérieur de se dire qu'on va retrouver le chemin intérieur. Et donc la préciosité évolutive de la vérité, hein, sur le monde, sur soi-même. Ben, et si on ne le fait pas, ben c'est sous peine de bestialisation de la pensée, par une bestialisation, on pourrait dire, par la pensée automatique, conditionnée, la pensée intéressée, vénale, et surtout autocomplaisante. Je m'arrange avec ma propre pensée. Sans avoir du tout besoin qu'elle corresponde à la vérité. Ça m'intéresse plus la vérité parce qu'il n'y en a pas. On va prétendre que la vérité n'existe pas. Et ça aboutit à un nihilisme total, quoi. C'est l'inverse de la pensée complexe que recommande Edgar Morin, qui était quand même qu'à 102 ans maintenant, je crois, à peu près, ou 101 ans, je sais plus, et qui a vraiment bourlingué avec une éthique impeccable, qui a repris Spinoza, qui a repris tout ça dans une éthique qui s'est battue contre le communiste après avoir été communiste, enfin, quelqu'un qui a été tout le temps un pionnier à la pointe de la pensée philosophique, et à la fin de sa vie, il nous parle enfin, même avant, il a parlé de la pensée complexe. On est dans un monde extrêmement complexe, il faut se donner les moyens de penser de manière complexe, sinon, bah, on aura le retour à la barbarie. C'est-à-dire Castoriadis, qui était un philosophe également de gauche, qui disait que. Il appelait sa revue Socialisme ou Barbarie. Et ce n'est pas le socialisme du Parti Socialiste, hein, c'est le vrai socialisme au sens civilisation solidaire, quoi. Donc la civilisation occidentale, et même qui actuellement qui est mondiale petit à petit, va devenir barbare, quoi, par nihilisme. Le nihilisme dont nous a prévenu Nietzsche dans je ne sais plus si c'est dans Ainsi parlait Zarathoustra ou dans Humain trop humain. Enfin, je ne sais plus trop. Enfin, Nietzsche a très très clairement parlé du nihilisme comme étant qu'il avait prévu dans un siècle à peu près, donc c'est pas gouré, qui c'est l'aboutissement d'un être humain faible, veule, un être humain qui n'a plus de. Qui est incapable de se tenir droit dans son énergie, dans sa propre exploration lui-même. Qui n'a plus de but, qui se laisse distraire par les. Qui fait du lèche-vitrine, qui joue sur les jeux vidéo, tout ça. Et une espèce de désagrégation comme ça du sens même d'une vie humaine, quoi. Ce qui fait qu'il peut plus y avoir de grands hommes, il n'y a plus que des petits hommes. Wilhelm Reich avait dit ça aussi, pour montrer comment le fascisme arrivait. Il avait fait un ensemble de dessins,
d'aphorismes et de dessins. Ça s'appelle Écoute petit homme. C'est un petit livre qu'il faut absolument acheter si vous ne l'avez jamais vu. Et qui montre comment le fascisme. Alors il a prévu le fascisme, lui, dès 1933, il avait vu la montée, tout ça. C'était quelqu'un de visionnaire. Tout ça, c'est des gens visionnaires, des grands hommes, justement. Et tous les simplismes, justement, qui s'opposent à la pensée complexe. Alors, si vous rajoutez tout ça, ce nihilisme dépressif et arrogant et avec une pensée bidon, on va dire, ben, si vous rajoutez le ressentiment avec, ça donne le fascisme, quoi. Ce que parlait Wilhelm Rasch, et qu'on voit avec tous les Bardella, les CNews, les Bolloré, tout ça qu'on voit, ça devient assez effrayant, quoi. On peut penser à des gens qui reprennent justement. Il y a une émission avec Barbara Stiegler qui était invitée à leur philo, là. Une émission qui est assez mal faite, mais c'était le samedi 16, je crois, novembre ou dimanche 17 de novembre 2024 avec Barbara Stiegler. Voilà une personne qui reprend les travaux de Nietzsche. Vous pouvez chercher aussi des podcasts sur elle quand elle parle de Nietzsche et la vie. Elle a vraiment, c'est l'une des rares, à chaque fois j'ai vu des grands spécialistes de Nietzsche qui n'avaient pas compris Nietzsche, elle l'a vraiment bien compris. Au point qu'elle le critique parce que Nietzsche penserait sûrement plus tout à fait la même chose maintenant, surtout après le nazisme et tout ça. Il réviserait complètement sa copie. Et Barbara Stiegler est la digne représentante d'une nouvelle manière de vivre ça. Voilà, donc. Si on veut voir l'importance de ce Bacchus qui a été touché par une honneur, mais qui fait un trigone presque exact, donc il va être très fort ce mois-ci avec Mars et avec Soleil et Lune, on peut penser, pour comprendre Bacchus, à écouter Les Pieds sur Terre du 28 novembre, 13h30. Ça parle de gens qui ont bossé dans la Silicon Valley. Avec Elon Musk et tout ça, et qui ont bossé sur X et tout ça, et qui ont vu les. C'est hyper intéressant pour voir à quelle sauce les États-Unis vont être bouffés, parce que ce type-là est un fou furieux, hein. Il a un Bacchus dangereux. Et puis dans le même esprit, si ça vous intéresse, voir l'histoire de la lobotomie, le maître en lobotomie, Walter Freeman, quoi. C'est d'affaires sensibles. Un truc que je vais vous mettre, bon, si vous voulez, parce que ça peut être un peu effrayant ou un peu négatif, mais ça, c'est Bacchus aussi. C'est-à-dire, pour moi, je trouve ça très intéressant, cette émission, parce que même si c'est parce que c'est effrayant, bien sûr, mais Fabrice Drouel, un bon petit journaliste, bon chic, bon genre, vous présente ça comme un abus total de la médecine. Or, c'est effrayant. Pourquoi? Parce que ça montre comment la normose médicale peut entraîner quelqu'un à faire n'importe quoi. C'est-à-dire que à partir du moment où il se croit scientifique et où il est médecin et qu'il croit faire du bien, il va détruire 4 500 cerveaux avec son système, avec des résultats affreux, mais sans jamais se remettre en question. Alors ça, c'est intéressant. Comment la normose médical ou individuel ou psychologique, dans tous les cas, fait qu'on peut faire le mal en étant persuadé de faire le bien. C'est-à-dire on peut être amené à ne pas vouloir examiner le résultat de ce que l'on fait. Et là, c'est par rapport à l'histoire récente de la médecine, on peut dire, quand vous lisez les clés du cancer du docteur Schwartz, là, Laurent Schwartz, on voit qu'il y a une désagrégation de la médecine allopathique, d'ailleurs, en général, par en fait une espèce d'orgueil des praticiens qui augmente d'autant plus qu'ils deviennent impuissants par rapport aux nouvelles maladies de dégénérescence et dites de civilisation. Ces maladies sont en train de tout envahir, de se multiplier, et sont de moins en moins capables contrairement à ce qu'ils disent, de les guérir réellement. Ou alors les guérissent pour 2 ans, puis après elles réapparaissent sur un autre organe et ils vont dire que c'est une autre maladie alors que c'est la même, donc ils n'ont rien guéri du tout la première fois. Ces prétentions, ces mensonges sont typiques en fait d'une désagrégation du sens de l'éthique qu'on voit très bien chez ce docteur Freeman, américain fier de lui. Ça correspond bien au Sagittaire, fier de lui. Content de lui et qui va
qui est capable de se mentir au point d'écrabouiller les autres avec une arrogance incroyable, c'est le défaut du Sagittaire, même si c'est un signe plutôt positif et sympathique en général. Voilà. Eh bien, bon, j'en ai fini. Ah oui, pour les émissions concernant Apollon, ne ratez pas les émissions de Cause à Effet le mardi soir à 20h. Il y en a une qui a eu lieu le 19 novembre qui était sur les géo-ingénieries et les technologies bioclimatiques. Alors c'est vraiment à écouter parce que ils vont être forcés de faire cela puisque en fait ils sont en train de s'empêcher en même temps de prendre les vrais moyens qui sera un changement de civilisation. Donc ils vont se forcer eux-mêmes à faire cela. Alors je rentre pas dans le délire non plus complotiste qui consiste à croire que le changement climatique n'existe pas, que c'est simplement pour faire des géo-ingénieries et les vendre. Non, non, là, faut pas déconner. C'est comme ceux qui croient que les énergies fossiles ne polluent pas, enfin que le changement climatique n'est pas lié aux énergies fossiles. Si vous croyez ça, vous croyez en rebelle, en fait vous êtes complètement manipulé par les lobbies pétroliers qui font circuler depuis plus de 50 ans ce genre de doute pseudo-scientifique avec des démonstrations plus ou moins abouties pour au moins ralentir sans cesse les vraies solutions et surtout ne pas perdre la main. Donc il y en a un, le 2611 de Cause à Effet, pareil, la même émission sur les pollutions plastiques, très intéressant parce que là on est tous responsables. Bon, c'est moins intéressant que celle sur la géo-ingénierie qui pose d'énormes questions. Et puis il y a une émission que j'ai entendue sur la science en question qui reprend ce que j'avais déjà recommandé de voir la COP29 à Bakou. Quels sont les résultats à la fin? Est-ce qu'il y a eu un accord final valable ou totalement décevant à la fin? Ben, une petite réponse pas très radicale hein, dans ces des émissions quand même qui sont sur France Inter. Mais on a des positions plus radicales qu'on va trouver sur la Terre au carré, heureusement, parce que mais ouais, ça avance mal très très doucement quoi du point de vue de l'Apollon. Mais rappelons-nous qu'on a notre avenir en main quand même et que si on veut faire communauté politique autour de ces grands sujets et qu'on a le courage de ne pas céder à la dépression. Parce que soit on est inconscient, on n'est pas du tout déprimé, on joue à des jeux vidéo, c'est ce qui arrive à des plus jeunes, ou parce qu'ils sont pas encore suffisamment matures. Alors maintenant, les gens sont matures de plus en plus tard, c'est embêtant, il y en a qui restent jeunes jusqu'à 40 ans sans avoir maturé. Et la crise des 40 ans devient vraiment une crise, des fois, qui peut être même destructrice, parce que si on n'a pas maturé avant, si on n'a pas commencé à s'intéresser au développement personnel, même un petit peu, ou développement spirituel encore moins, bon, bah, évidemment, il y a déception quoi, dans la suite des événements. On a l'impression d'avoir raté sa vie. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour de tout ce que je voulais dire. Je vous invite, je vais essayer, si c'est possible, avec les aides autour de moi, parce que ça ne dépend pas de moi, de refaire un travail sur la prévision 2025, sachant que la fin de l'année 2024, donc celle où on est actuellement, est assez rock'n'roll quoi. Là on va vraiment et du coup ça, on voit à quelle sauce on va être mangé en 2025, mais disons que le premier week-end de enfin, le prochain week-end, non pas celui de, enfin celui du 7-8, il y a des aspects extrêmement négatifs qui vont renforcer ce que je viens de lire là sur le thème. Sauf que la Lune arrivera donc sur Saturne, et là on peut Vénus sera sur Pluton. Enfin bon, il y a un ensemble de facteurs qui montre que ce deuxième carré Jupiter-Saturne va aggraver la crise mondiale, avec le risque, c'est qu'au lieu qu'on en tire les leçons au niveau avec sagesse, on en tire les leçons en achetant encore plus d'armes, parce qu'il va falloir fabriquer des armes à gogo, parce qu'il y a un fou qui veut créer une troisième guerre mondiale en pensant qu'il va gagner quelque chose. C'est assez terrible. Donc rappelez-vous, la première carré avait lieu en août, donc ça s'est pas trop vu, mais quand même, ça a commencé à créer cette crise écologique très très nettement.
Et là, le deuxième carré est en décembre. Et le troisième carré, il faudra attendre le juin 2025. Et là, il faudra avoir compris la leçon. Et en plus, ça sera en cardinal. Donc là, il faudra passer à l'action très très nettement avec un Saturne en bélier, un Jupiter en cancer en juin 2025. Donc là, sachant que Saturne en bélier est en chute et Jupiter en cancer en exaltation, voilà, ce qui aura été semé dans ce deuxième carré qui a lieu en ce moment, Jupiter revient en arrière vers Saturne. Il vient rechercher l'information de sérieux, de responsabilité que nous demande Saturne. Et c'est la chance, dans la rétrogradation, toujours de se remettre en question profondément et d'essayer de voir. On a encore une chance. Après, quand le troisième passage se fait, c'est trop tard. Tout ce qui a été compris, ça va s'incarner très fortement. Et ce qui n'a pas été compris va s'incarner très fortement aussi. Donc, on voit que là, on est sur. Ça peut très bien partir en. Comment on appelle ça? En aquaplaning, avec Saturne en poisson. Si on ne maintient pas. Donc c'est le moment où on peut redresser le volant encore, sachant que ce carré aura lieu exactement pour le thème de l'année 2025. Voilà, et qu'il est actif dès le premier week-end, 7-8 décembre 2024. Voilà. Donc, attention aux semaines qui viennent, il y a beaucoup de mécontentement, vous avez compris l'idée générale. Mettez le paquet toujours sur la méditation et sur la remise en question personnelle. Ne croyez pas que vous avez raison. Si vous êtes beaucoup de mutables, vous pouvez vous retrouver dans des conflits ou dans des quiproquos ou dans des manipulations, dans des mensonges. Ne participez pas à ce genre d'abaissement mental, d'abaissement moral. Restez calme, restez à distance des conflits qui peuvent apparaître comme ça. Vous apercevrez qu'après, on y gagne à rester à distance parce qu'en fait, ça finit par complètement s'estomper. C'est des ébullitions excitantes du cerveau. Et qui ne sont là que pour nous prouver, une fois de plus, que le mental les constructions mentales sont des illusions la plupart du temps. Je vais citer pour terminer Gérald Benmerzouk, qui est un éveillé que vous pouvez retrouver dans les satsangs sur l'ashram du cœur, ou que vous trouvez sur Internet aussi, avec Pierre et Gérald, vous tapez Pierre et Gérald et vous avez leur satsang. Qui nous donne, qui vivent la dimension christique, ou bouddhique, vous l'appelez comme vous voulez, c'est pareil, de toute façon, qui vivent cette dimension christique, et qui Gérald qui dit rien ne vous oblige à croire ce que vous raconte votre mental. Et ben, ça pourrait être le mot de la fin. Je vous donne rendez-vous pour les prévisions 2024, et je vous donne tout de suite La prochaine nouvelle lune aura lieu également au mois de décembre et sera juste presque pour le réveillon. Elle aura lieu le 30 à 22h28 TU, c'est-à-dire à 23h30, donc ce qui sera très possible à pratiquer. Bon, celle-là est un peu tôt, mais donc le 1er décembre à 7h23, 21, 23, voilà. Et comme d'habitude, ne ratez pas. Puis j'essaierai pour la pleine lune, puisque c'est un moment de. Où je donne des enseignements plus libres, j'essaierai pour la pleine lune qui aura lieu le 15, si possible un petit peu avant, de voir si je peux, c'est pas sûr, mais si je peux vous parler de certaines évolutions nécessaires au niveau collectif, vu à la lumière de l'ésotérisme, de manière plus libre, sans forcément analyser la pleine lune, puisque ce qui compte, c'est l'analyse des nouvelles lunes. La pleine lune manifestera totalement ce qui a été dit avec cette nouvelle lune, comme d'habitude. Je pense que vous avez compris depuis le temps comment ça se passe. La pleine lune n'est que l'émergence à l'extérieur de ce qui est mis en graine. C'est la floraison de la graine qui a été plantée en nouvelle lune. Donc faites attention à bien planter les bonnes graines, de manière à ce que ce qui va fleurir en pleine lune ne soit pas totalement décevant, mais au contraire plénifiant. C'est ce que je vous souhaite à tous, et à bientôt, donc si vous voulez bien. N'oubliez pas de recommander cet audio si ça vous a plu,
Et en expliquant bien que c'est pas parce que c'est un peu long que c'est forcément négatif, ça demande à réflexion. Et la réflexion, et avec quand il y a un écran carrément mutable, c'est loin d'être inutile. Voilà, bonne continuation à tous et bonne méditation. Au revoir.